You want to mess with some dude that's your son's friend, as trifling as that may seem in people's eyes, that's your damn business. You want to break up with your husband and all of this stuff, that's your business. But this public emasculation needs to stop. Jada, all you're doing is elevating the level of vitriol coming your way, because it don't matter what you say. There's nothing you can say to a man to justify what you have done to Will Smith. Every time I see Jada Pinkett Smith talk about Will Smith, I cringe. We kings. We ain't here to be treated like that. You're queens and you shouldn't be treated like that either. And I get that. Tell me anywhere, biblically, scripture-wise, in any scripture, where it encourages you to publicize your personal business for profit when it negatively affects your spouse. Donc Stephen Smith, il dit les choses, il a dit les termes. Hein. Donc Stephen Smith, si jamais tu sais pas c'est qui, bah, c'est un animateur de la NBA. Donc si tu regardes la NBA, tu le connais déjà. Hein. C'est quand même un média assez mainstream. Bon, même si Stephen, c'est un gars quand même en général qui dit ce qu'il pense, mais quand même on est sur un média mainstream. Donc même sur les médias mainstream, tu vois, un gars comme ça, un animateur, il peut dire non là, tu vas trop loin, Jada. Tu vas trop loin, Jada. Là, faut arrêter. Ah, calme un peu, non? Hein? Donc après, je sais pas c'est quoi leur focus avec l'histoire de King, là où on est des kings. Bon, pff, les gars, tu sais, c'est comme les gars qui disent, oui, je suis un alpha. Bon, les gars, pff, pas besoin de le dire, les gars. Hein. Mais ça, c'est parce que, tu sais, ils veulent renverser le truc. Parce que les meufs, elles aiment dire, ouais, on est des queens. Alors, je sais pas quelle fixation ils ont. Aux États-Unis, ils sont focus, on est des kings, on est des queens. Oh, pff, calmez-vous, les gars. Hein? Donc les meufs, elles aiment dire, oui, on est des queens, on est des queens. Bon, déjà, t'es pas une queen. Hein, t'es une queen quand tu es la femme du king. Hein. Donc si t'es célibataire, chérie, t'es pas une queen. C'est pas moi qui le dis. Faut pas le prendre mal. Hein. J'ai envie de te dire, tu peux pas être une queen toute seule comme ça. Non, il faut que tu sois marié à un king pour devenir une queen. Il me semble, hein, je peux me tromper. Donc c'est pour ça, les gars, bon, suivez pas tout, les gars. Les gars, ils suivent l'amour. Ah, ils disent qu'elles sont des queens. Ben nous, on va dire qu'on est des kings. Non, mais les gars, pas besoin de dire. C'est comme il y a le truc City Girls. Les gars, ils ont dit, ben nous, on est City Boy. C'est pas tous les mouvements qu'elles font qu'il faut. Des fois, non. Non. Donc, bref, je sais que les gens vont dire ouais, mais c'est vrai, Will Smith, il faut qu'il quitte Jada. Et c'est bon maintenant, il y en a marre, tout ça. If you find another great love, or if Will finds another great love. There's no finding another great love, and I think that's the point. It's like, we are in a place now that we are in a deep healing space. And we are really concentrating on healing the relationship between us. So, it may not be the divorce on paper anymore? There's no divorce on paper. I mean, not on paper. There might not be a divorce in theory anymore? Yeah, no. We really have been working hard. Oh! Donc non, ils ont pas prévu de se séparer. Pas du tout. Je pense que Jada essaie de tester sa patience, la patience de Will Smith, jusqu'où ça peut tenir. Jusqu'où? Ah oui, il encaisse. Parce qu'il faut dire ce qui est. Là, elle a mis en péril la carrière de Will Smith avec tous leurs problèmes, là, en plus qu'elle étale publiquement. Bien sûr, ça a eu un impact direct sur la carrière de Will Smith. C'est déjà le truc juste de la cérémonie, ça l'a mis dans les difficultés déjà. Et je crois qu'il peut plus, je crois que c'est un an qu'il est banni des Oscars. Un an banni, c'est quand même relou, il a perdu des contrats à ce moment-là, parce qu'il avait plein de choses qui étaient en cours, ça a été annulé. Après il va dire, ouais, non mais attends, moi je l'ai pas envoyé, giflais personne moi. C'est un grand garçon, ouais, non mais bon, à un moment donné, il est solide, mais bon, il peut craquer, il peut faire des erreurs, c'est l'être humain. Hein. Donc si tout va mal, à un moment donné, il peut faire la mauvaise action au mauvais moment. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc non, ils n'ont pas prévu de se séparer. Et Will Smith n'a pas prévu de partir. D'ailleurs, elle a dit un truc comme quoi c'est bien qu'elle ait dit tout ça parce que aujourd'hui, ça va leur permettre de pouvoir s'aimer dans leur manière. Bon, bah, écoute, pardon. Si Will Smith est OK avec ça, hein, chacun ses problèmes. Donc du coup, j'avais fait une vidéo pour rigoler un petit peu parce que apparemment, ce livre ne s'était pas vendu. T'es là, on rigolait. Alors, Jada, hein, tu pensais salir Will Smith et tu pensais en plus que t'allais être best-seller. Hein. Donc du coup, elle a vu ma vidéo. Ouais, parce que Jada regarde mes vidéos. Ah, on commence à approcher les 50K d'abonnés. On commence à peser lourd. Hein. Les Américains commencent à regarder mes vidéos. Donc, je pense que Jada a regardé ma vidéo et puis elle avait... lui, il fait trop son fanfaron. Donc, du coup, elle a épinglé. Donc, apparemment, elle est best-seller New York Times. Et elle l'a épinglé sur son compte Instagram. Elle a dit, voilà, ça, c'est pour Jonathan. Ce que j'ai vu, tu commençais à dire des trucs qui... Non, ça n'a pas de sens. Donc, New York Times, elle a épinglé.
Bon, ben voilà, voilà, exactement. C'est ça que j'ai fait. Ah bon? C'est comme ça? Ouais, mais Jada, rien ne me dit que tu as dit que tu pesais 50 millions. Rien ne me dit que tu as acheté toi-même tes propres livres. Ah, ce qui aurait du sens pour se sauver la face. C'est une théorie comme une autre, Jada. Ah bah oui. Parce que vu comment tout le monde te bâche de droite à gauche, tout le monde, même les wokies, ils te bâchent. Donc je me dis, qu'est-ce qu'ils vont lire? Pourquoi ils sont... Qu'est-ce qu'ils veulent lire? Parce que moi, j'essaie de me mettre à la place des gens. Pourquoi ils veulent lire un livre où on salait Will Smith? C'est quoi le problème? Ou l'amour, comment s'aimer? L'exemple là, que je vois pas pourquoi les gens veulent le livre. C'est ça, c'est une relation comme ça que les gars ils veulent. Je comprends pas, c'est vraiment le truc. Hein. Après, tu me diras, ouais, mais elle a des millions de followers. C'est vrai qu'elle en a un paquet. Mais est-ce qu'elle n'a pas acheté ses followers? Bon, voilà, okay, j'arrête de faire le rageux. Eh ben écoute, tant mieux pour toi, Jada. Si jamais t'es best-seller en ayant sali et émasculé ton mari, hein, et le raconter dans un bouquin, ben c'est bien. J'espère que t'es contente. Voilà. Bravo. Félicitations, Jada. Et Will Smith, là, oui, je suis là aussi. On ne prendra jamais ça. Sous couvert, important les gars, sous couvert de l'amour inconditionnel. Toi, tu comprends pas ça, tu peux pas. Trop deep. L'amour inconditionnel. Oui. Les écrits ont bon dos, hein. Tu les utilises quand tu veux, hein. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te rappelle que pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Il y a une partie aussi sur le business en ligne, comment le construire et utiliser l'intelligence artificielle. Tu veux pas rater le train, c'est maintenant. Clique sur le lien qui est dans la description avant de créer un arnaque. Regarde quand même. Hein. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être au camp.